Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Moi ça va nickel comme d'habitude les gars, j'ai toujours le smile, tu connais frérot. Ah, j'ai pas toujours le smile mais généralement ça va, fais pas chier, d'accord? Les gars, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de thread horreur. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir et de vous sortir un thread horreur. Juste une petite annonce, là je suis en permission, j'ai pas eu le temps de tourner toutes les vidéos parce que là je repars dans une heure précisément. J'ai mon train dans une heure, Inch'Allah je le rate pas. Du coup voilà. Donc là je repars pour 3 semaines ou un mois, je sais pas, ça dépend quand, qu'est-ce que ce sera notre permission. Donc là je pense qu'il y aura que 2 vidéos en 4 semaines. Voilà, si pendant 2 semaines il n'y a pas de vidéo, c'est normal, c'est que je suis occupé et que j'ai pas le temps de tourner toutes les vidéos. Du coup voilà les gars, donc pour cette vidéo les gars, thread d'horreur, vous connaissez, vous l'attendez, on ne change pas les habitudes. Du coup moi je vous souhaite un bon visionnage, n'ayez pas trop peur. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, tu connais déjà le refrain. Sur ce, c'est parti, bonne vidéo. Nous sommes ce soir avec Alex et Kim. Tous les deux sont en couple depuis quelques mois. Et un vendredi soir, tous les deux se disent pourquoi pas se faire un petit cinéma, une petite sortie. Ils se mettent d'accord, ils se disent qu'ils vont aller au cinéma et tout ça. Donc ils réservent leur place sur internet. Le film qu'ils choisissent est un film d'horreur. De quoi bien se mettre dans l'ambiance. Coïncidence, thread d'horreur, film d'horreur, parfait. Ça y est, leur place est réservée. Ils finissent de manger et prennent la route directement. Leur séance est à 21h15. Alex le conducteur et Kim la passagère se garent derrière le cinéma, dans un endroit où il n'y a pas trop d'éclairage, il fait assez sombre. En faisant une manœuvre en créneau, Alex s'aperçoit dans le rétroviseur que quelqu'un est assis sur la bordure du trottoir, et cette personne elle l'empêche Alex de finir sa manœuvre. Kim sort de la voiture pour aller demander au monsieur s'il peut se décaler, pour qu'il puisse se garer. L'homme avait l'air assez bizarre, car Kim faisait que de se répéter, comme si l'homme faisait semblant de pas l'entendre. Alex, attentif sur l'action de sa copine, il sort de la voiture et il demande à l'homme plus brusquement de bouger avant qu'il s'énerve. L'homme qui est assis sur la bordure reste assis sans dire un mot, mais fixe Alex et Kim sans montrer d'expression sur son visage, c'est-à-dire sans sourire, sans lever les cils, etc. Alex commence à s'énerver, il commence à l'embrouiller, jusqu'à ce que Kim lui dise « Viens, on se casse, ça sert à rien de s'énerver, c'est un mongol, viens, on dégage. » Alex, du coup, il insulte l'homme parce qu'il est énervé, bien évidemment, et tous les deux retournent dans la voiture pour aller chercher un autre emplacement pour se garer. Une fois l'embrayage enlevé et le contact allumé, Alex regarde dans son rétroviseur et l'homme se lève et s'en va. Le gars se fout carrément de la gueule du monde. Alex et Kim se disent que ce n'est pas la peine d'insister et de rester sur leur décision de changer d'emplacement. Quelques minutes passent, leur voiture est enfin garée. Alex et Kim rentrent dans l'entrée du cinéma et montrent leur réservation à l'accueil. Comme tout le monde ou presque au cinéma, que vont-ils chercher? Des pop-corn! Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé moi. Donc ils vont chercher des pop-corn, de quoi se mettre encore plus dans l'ambiance. Tu connais, hein, des petits pop-corn en regardant un film, surtout d'horreur, ça fait plaisir. Direction la salle de cinéma. C'est la salle numéro 13. Je sais, c'est très précis. Ils s'installent tous les deux et c'est parti pour 2 heures de film. Le temps passe, et Kim a une envie, d'aller aux toilettes. Elle prévient donc Alex, lui qui est toujours à fond dans son film. Elle sort de la salle et se dirige vers les sanitaires féminines. Un homme est positionné devant les toilettes. Cet homme prévient Kim en lui disant que les toilettes sont indisponibles et qu'il faudra aller dans les toilettes des garçons. Super chelou. Et Kim n'a pas trop bonne impression sur cet homme qu'elle vient de croiser. En plus, cet homme ne faisait pas partie du bâtiment, enfin, c'est-à-dire il travaillait pas dans le cinéma, il avait pas une tenue d'agent de sécurité ou quoi. Il était en tenue civile. Kim pressée va alors dans les toilettes des hommes. Kim est seule dans les toilettes. Elle fait ses besoins personnels et elle entend d'un coup la porte des toilettes s'ouvrir. Puis la porte se referme. Elle claque. Elle entend des bruits de pas avancer. Elle entend que quelqu'un ouvre la première porte des toilettes. C'est-à-dire, en gros, il y a 6 toilettes et faut juste pousser la porte pour ouvrir la porte. Enfin, c'est... Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis vraiment de la merde, moi. Je suis en train de vous apprendre à ouvrir une porte, en fait. Incroyable. Elle entend que quelqu'un ouvre une première porte des toilettes. Puis une deuxième, puis une troisième. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que Kim est située dans le 4e toilette. D'un coup, elle entend un sifflement. Puis d'un coup, elle aperçoit des pieds en dessous de sa porte qui dépassent, comme si quelqu'un était collé à sa porte, prêt à ouvrir la porte. Ça fait beaucoup de portes, là. S'agissait-il de l'homme qui était positionné devant les toilettes des filles? C'est la question que tout le monde se pose. Kim est en stress et ne fait aucun bruit. Et l'homme d'un coup s'agrippe à la porte, comme s'il allait escalader la porte pour passer au-dessus. Cette fois-ci, Kim se met directement à crier. Elle est tétanisée à la peur, c'est normal. Elle est dans l'action. Quand tout d'un coup, une femme de ménage rentre dans les toilettes et demande à l'homme ce qu'il fait dans les toilettes. En entrant, elle a aperçu l'homme qui était agrippé à la porte, comme un trou du cul. Je sais pas pour qui il se prenait, peut-être pour Marsupilami, j'en sais rien. Mais il mérite des claques dans ses dents. Je continue l'histoire.
L'homme était cette fois-ci capuché. Il se retourne et dit que derrière la porte, c'est sa copine. Puis il part en marchant super vite et disparaît. Kim sort et se retrouve face à la femme de ménage. Elle lui demande si Kim va bien et Kim lui répond qu'elle n'est pas très bien parce que voilà, elle vient de vivre ce que je viens de vous expliquer. Elle dit qu'elle est paniquée, tout ça, ce qui est très compréhensible. Kim est revenu dans la salle de cinéma. Elle explique directement à Alex ce qui s'est passé. Alex ne cherche pas à comprendre. Il s'énerve sur place et décide de quitter la séance, de pas regarder la fin du film et de foncer directement pour chercher le mec pour le défoncer. Putain, il est déter en vrai, Alex. Hein. Alex, il est déter. Ils sont tous les deux en train de chercher l'homme pour régler son compte, sauf que ils ne le trouveront pas du tout. L'homme a disparu. La question que tout le monde se pose en ce soir, que voulait cet homme? Aucune réponse et aucune nouvelle. Personne ne peut savoir. Voilà pour cette première histoire. J'espère qu'elle vous a plu, les petits potes. Dites-moi en commentaire. On va passer directement à la deuxième histoire. J'espère que je m'exprime toujours autant bien et que j'ai pas trop changé. Parce que...